Je vous présente Ifrit, un dieu beaucoup moins bienveillant envers les êtres humains que notre cher Shiva. Remarquez, il vous a réservé un accueil plutôt chaleureux. Bon, je vous laisse briser la glace. Je vous attends en haut. Faites attention! Il n'a pas l'air commode, celui-là. Est-ce que ça va? Mets-toi à couvert! Je vais l'occuper! Porte, par ici! Dépêche-toi, il va recommencer! Baissez-vous! Relève-le! Je vous couvre! Tiens, Noct! À notre tour! Bien, quel est le programme? Je sens qu'il va riposter de plus belle. On va calmer ces artères. Yeah!
Ok. Dégage! Hop. Ugh!
Qu'est-ce qu'elle dit? Tu comprends? Elle dit que je dois ramener la lumière. Et c'est ce que tu vas faire. Avec notre aide. La citadelle. Enfin, on se retrouve. Et je vais bientôt reprendre le trône. Au moins, on n'est pas dans le noir. Il a dû tout allumer pour l'occasion. Oui. Il attend ma venue depuis longtemps. Vous croyez que les ascenseurs marchent? Ouais. On dirait bien. Décidément. Il a déroulé le tapis rouge. Tant mieux. J'avais pas envie de monter à pied. Thank you.
Prochain arrêt, la salle du trône. Ouais, Ardyn doit nous y attendre. On va lui apprendre à squatter. Ce soir, on va tout reprendre. Ouais, on va régler nos comptes. Comment on était nerveux avant notre audience avec le roi? Oui. Cette salle est impressionnante. J'arrive toujours pas à croire que j'ai eu la chance d'y être. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Quand j'étais petit, je détestais cette pièce. Ah bon? Pourquoi? Quand on arrivait ici, le visage de mon père devenait toujours si sombre. Il avait de la peine pour toi. Il connaissait le destin qui t'attendait. Allez, on y est presque. Alors, tu es prêt, Noct? Oui, mais... juste une dernière chose. Prompto. Tu peux me montrer tes photos? Hein? Oui, bien sûr. Il ne m'en faut qu'une. Pour l'emporter avec moi. Ah. D'accord. Je comprends. Tiens, prends celle que tu préfères. Hésite pas. Non mais t'imagines un peu le nombre de villes et de magasins qu'on a visités. Où que l'on aille, on ne s'ennuyait jamais. Elle te plaît? Quelque chose t'intrigue? Un cliché où on se bat, ça pourrait être cool. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te rappelle des souvenirs? Quelle voiture, quand même! Grâce à la Régalia, on a pu aller aux quatre coins du monde. Sans la Régalia, ce périple aurait été très différent. C'est étrange, non? Ça réveille plein de souvenirs. Une dans laquelle apparaît aussi la Régalia. Qu'est-ce que vous en dites? Photo où on est en train de camper. Elle te plaît? Quelque chose t'intrigue? Moi, je choisirais une photo où on est en route pour Caen. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te rappelle des souvenirs? Thank you.
tes meilleurs clichés. Quand on est tous les quatre dessus. Pendant tout ce temps, on est restés soudés. Donc, ce sera cette photo. Tu confirmes ? Ouais. Tu n'as décidément pas le vent en poupe. Le trône, tu aimerais t'y asseoir, n'est-ce pas? Malheureusement, je crains qu'il soit occupé. Tu n'as rien à faire sur ce trône. C'est la place du roi. Tu as pris ton temps, Noctis. Je commençais à me dire que tu ne viendrais jamais. Cette fois, l'heure est venue de mettre fin à ta lignée. Il déborde littéralement de rancœur. Ouais, ça a dû le bouffer. Il est toujours sur le trône ? Ouais. Je vais vite l'en faire descendre. C'est ma place et je vais la reprendre. Qu'est-ce que t'as fait ? Je me suis débarrassé des éléments importuns, afin que nous soyons entre rois. Je t'attends, Noctis. Il est temps d'en finir. Il est loin le temps du petit prince faible et ignorant. Voyons ce que tu vaux maintenant en tant que roi. J'espère que tu ne me décevras pas. Bien. Reprenons. Ouais. Finissons ça. Et si nous commençons, tu penses donc être l'élu? Que penses-tu de ce que j'ai fait de ce monde? Tu te vas sérieusement là? Tu veux jeter les ponts? Tu peux toujours rêver! Yeah.
Du cristal. Voyons un peu s'il surpasse le mien. Viens avec moi. Tu ressembles déjà un peu plus à un élu comme ça. Ça va se jouer à celui qui aura le plus d'endurance. Voici venus les anciens rois du Lucis. Est-ce à dire que tu es enfin prêt à accomplir ton destin? Quand ton cher papa est mort, tu t'amusais comme un gamin irresponsable avec tes camarades. Quand ta fiancée est morte, tu as passé des jours alité et tu t'es morfondu comme une loque. Tu crois m'avoir surpassé après 10 petites années? Qu'est-ce que tu t'imagines? J'ai passé des siècles au cœur des ténèbres. Tu mourrais. Minable. Minable. Tu
Tu as gagné, roi élu. Tu vas chasser les ténèbres, ramener la lumière et la paix dans ce monde, et effacer une fois de plus mon nom de l'histoire. Cette fois, tu reposeras en paix. Ferme les yeux. Et dors pour l'éternité. Je t'attendrai dans l'au-delà. C'est ici qu'on se sépare. Ouais. C'est comme ça. Allez, vas-y. Merci pour tout. Pronto. Gladio. Ignis. Une dernière chose. Souvenez-vous. Gardez la tête haute. Bonne chance. Où que tu ailles. Majesté. Merci à vous. Je suis rentré. La tête haute. Ça m'a pris du temps. Mais je suis prêt. Je vous dois tout. Luna. Les gars. Et toi. Le temps qu'on a partagé est éternel. Roi du Lucis. Venez à moi!
C'est terminé. C'est bon de camper tous les quatre. Ça a dû vous manquer. En effet, oui. Vous savez... Qu'est-ce qu'il y a ? À vrai dire... Bordel. Désolé. J'ai du mal à trouver les mots. En fait, je suis revenu pour aller jusqu'au bout. Mais là, quand je nous vois comme ça, tous réunis comme autrefois, honnêtement, j'ai peur de flancher. C'est normal. C'est pareil pour nous. Tu vois que tu peux quand tu veux. Merci pour ta franchise. C'est moi qui vous remercie. C'est vrai. Vous êtes comme des frères pour moi. Thank you.
Luna Freya. Grâce à toi, Noctis a eu l'anneau. Merci. Comme tu le sais, il n'a pas toujours été facile. Mais je suis très fier de lui. Soyez heureux ensemble. Merci.